18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, nous aurons deux invités, Rodrigue Ramazani, pour parler de l'impasse, au niveau de la CENI, et aussi notre ami Nkoy. Nkoy, lui, sera de notre pour parler de la diplomatie congolaise et aussi ses réformes. Parce que depuis que Christophe Lutundula est là, est-ce qu'il y a des avancées ou il y a encore des histoires à pouvoir parfaire? Voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, nous avons Bedrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Kenge. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Déblocage du processus électoral, la CENCO et l'ECC ont, dans une déclaration commune, sollicité à l'administration de la CENI d'entamer les préparatifs techniques des élections de 2023 et ont invité le président de la République, Félix Tshisekedi, à jouer son rôle de garant de la nation en vue d'assurer au peuple congolais des scrutins crédibles et apaisés. Leurs représentants l'ont dit lors d'une conférence de presse ce jeudi. Les députés du Front commun pour le Congo ont boycotté la séance plénière de ce jeudi 7 octobre. Ces élus de la plateforme de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ont exigé que la question sur la taxe soit épuisée avant que le bureau ne puisse programmer d'autres matières. Après avoir séché la séance, les élus du FCC ont également annoncé avoir initié une motion de défiance contre le ministre de Pétain Tic, Augustin Kibasa. En dehors de nos frontières, affaire Ethiopian Airlines, des nouvelles précisions sur les accusations de transport d'armes, révélations faites lors de la publication d'une enquête de la chaîne américaine CNN diffusée le mercredi dernier. Selon ce rapport, la compagnie aérienne publique de l'Éthiopie aurait transporté l'année dernière des armes et des munitions ayant servi à la guerre dans le Tigré. Des révélations toutefois démenties par Ethiopian Airlines. Revenons au pays pour parler des éliminatoires mondiales 2022. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont remis en marche face à Madagascar ce jeudi 7 octobre en la portant 2-0 dans le compte de sa troisième journée. Après sa victoire face à la Tanzanie, le Bénin prend la tête du groupe J. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kidolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bedrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il pleut sur Kinshasa, il pleut abondamment, c'est jeudi. Mais nous, on est là. Déjà, tout de suite, notre premier invité pour parler de la diplomatie congolaise. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Atonoumaba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Kinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD via Foner a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les deux minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Joseph Nkoy, lui, c'est un analyste politique, c'est un jeune. Il veut certainement un peu se livrer à pouvoir analyser la diplomatie en République démocratique du Congo, depuis l'avènement de l'Union sacrée. Est-ce que la diplomatie congolaise produit des fruits, produit des effets? Monsieur Joseph, bienvenue. Merci, monsieur David. Merci de me recevoir sur votre plateau et je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Voilà, la diplomatie, mais on sent qu'il y a une certaine lenteur de la part du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula.
on ne le sent presque pas. Hein, on ne le sent presque pas. Est-ce que c'est parce que nous avons le président de la République qui joue, qui est tout le temps sur les plans diplomatiques, lui-même le VPM? Merci beaucoup, Monsieur David. Il est d'abord important de souligner en premier lieu que les questions diplomatiques ou la diplomatie, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans son exécution. On ne peut pas vouloir résoudre les questions diplomatiques comme si on faisait quelque chose de manière automatique. C'est ainsi que même lui-même, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Christophe Lutundu a dit que les questions qui relèvent de la diplomatie prennent du temps. C'est vrai que c'est le président de la République qui a la vision générale de la nation, c'est lui qui a la vision diplomatique, et c'est le président de la République qui donne au ministre des Affaires étrangères les lignes de conduite. Et c'est sur ces lignes-là que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est en train d'asseoir toutes ses actions. Donc il ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs, il est en train de suivre toutes les orientations qui lui sont données, notamment par le président de la République et aussi les premiers ministres qui constituent sa hiérarchie. Oui, mais on se rend compte qu'il y a un peu beaucoup des ratés diplomatiques. Hein. Des ratés et d'autres taxes disent que il y a encore beaucoup à faire dans la diplomatie. Oui, c'est normal. C'est normal pourquoi l'histoire diplomatique de notre pays nous relève que nous avons eu pendant beaucoup d'années, nous avons constaté que la RDC a été isolée sur les plans diplomatiques et qu'il était important que nous puissions avoir un leadership fort, un leadership du président de la République, un leadership du Premier ministre et du vice-premier ministre qui est chargé des affaires étrangères pour voir dans quelle mesure on peut redorer l'image de la diplomatie congolaise qui a été ternie pendant beaucoup d'années. Et dans ce sens-là, il faut dire qu'il y a des avancées significatives que l'on observe depuis que l'honorable Christophe Lutundu là, ou Excellence Christophe Lutundu là, depuis qu'il est là. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait comme réalisation? Bien, il est venu. Les ambassadeurs continuent toujours à se plaindre, c'est-à-dire qu'il y a des arriérés, ils ne sont pas payés comme il se doit, et jusque-là, il y a certaines ambassades qui sont chassées, expulsées, parce qu'on n'arrive pas certainement à payer le loyer comme il se doit. Je veux revenir sur les termes du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères qui a dit ceci, depuis qu'il est là, tous les corps diplomatiques sont payés, il n'y a pas d'arriéré de salaire. Mais ce qui concerne les arriérés, il a dit, parce que c'est un homme honnête, il a dit qu'il n'a pas la prétention de dire qu'on a tout empiré. Mais il y a des dettes qui sont en train d'être payées progressivement. Et il y a les cotisations dans des organisations internationales qui sont d'autres pays. Donc il a dit clairement que c'est vrai que les choses sont compliquées. Mais depuis qu'il est là, il n'y a pas d'arriéré de salaire. Les diplomates sont régulièrement payés. Voilà, les diplomates sont régulièrement payés. Mais on sent que comparativement à l'ancienne VPM, une dame qui était là, une dame de fer, et aussi sous les régimes ou sous les règnes des Tshibala, le ministre des Affaires étrangères qui était là, Choky Tundu, on avait vraiment une diplomatie agissante. Mais ici, on se rend compte que c'est une diplomatie passive. Une diplomatie qui ne fait qu'encaisser des coups. Ok, vous dites qu'avant l'avènement de M. Lutundu, là, la diplomatie était agissante. Mais vous pouvez me dire une réalisation de cette diplomatie que vous qualifiez agissante? Je ne pense pas. Si, avant qu'il n'arrive, la diplomatie était agissante, on aurait vu de retomber. Et ce que je peux souligner comme retombée négative, c'est l'isolement de la RDC sur le plan international. Sur le plan international. Voilà pourquoi on a isolé la RDC par qui?
Vous allez me dire par les États-Unis, la RDC est isolée. Avant son événement, les relations avec la Belgique étaient pratiquement détruites et bien d'autres pays. Voilà pourquoi les présidents de la République, avec le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, sont en train de travailler durement. Et voilà, c'est même ce qu'il a dit, que la vision qu'il a, c'est redonner l'image à la République démocratique du Congo. Voilà, donner image à la RDC, qu'est-ce qu'il a déjà fait de concret? Quand il est venu, il faut d'abord souligner qu'au niveau interne, il a trouvé que la situation était chaotique. Si il faut dire, par rapport à la gestion, du patrimoine des affaires étrangères, vous arrivez aux affaires étrangères, l'ascenseur ne fonctionne pas, il n'y avait même presque pas de bureau. Les bus pour les transports des agents n'existent pas. Mais depuis qu'il est là... Regardez actuellement les salons. Il y a un salon, j'ai vu sur des réseaux sociaux. Non. Regardez les salons diplomatiques au niveau des affaires étrangères. Oui. C'est un lambeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, vous parlez Il est venu. Les choses ne peuvent pas se faire par un coup de baguette magique. Il est venu, vous avez vu qu'il a réhabilité le huitième étage. Et quand vous y arrivez, vous trouvez que ça c'est les installations dignes des affaires étrangères. Le travail est en train d'être fait progressivement. Ce n'est pas, comme je le dis, par un coup de baguette magique que le Tounoula va changer la situation générale des affaires étrangères. Mais progressivement, avec la volonté que le chef de l'État manifeste, traduite par le Premier ministre et qui est répercutée au niveau du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et que cette volonté-là de pouvoir ramener les choses à la normale qu'il est en train d'examiner ou d'exécuter. Donc il ne peut pas faire de choses de manière précipitée. Progressivement, il est en train de travailler. Voilà pourquoi même, pour essayer d'analyser toutes les questions diplomatiques, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a proposé au président de la République et au vice et au premier ministre qu'il y ait une conférence des diplomates. C'est au cours de cette conférence qu'on va analyser la situation de tous les corps diplomatiques, on va analyser la situation des ambassades, on va analyser la situation de tous les postes consulaires pour qu'on voie quelle est la configuration que l'on doit donner et que le président de la République puisse définir de nouvelles lignes diplomatiques qui seront bien évidemment exploitées par le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. En fait, les questions diplomatiques, ce sont des questions qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, et on ne peut pas reposer cette charge-là sur Christophe Lutounoula qui n'est là que depuis 4 mois ou 5 mois. Voilà. Et vous ne sentez pas que c'est comme s'il il travaille dans l'ombre? Je repose parmi mes premières questions, je vous avais dit, est-ce que le président, en fait, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il ne se sent pas coincé par l'activité diplomatique du président de la République? Le président de la République est presque sur tout le front diplomatique. Ce qui fait que même Christophe Lutundula, on ne le sent presque pas. Non, moi, je ne sais pas comment vous voulez... Est-ce qu'il ne travaille pas dans l'ombre? Comment vous voulez les sentir? Je ne sais pas comment vous voulez les sentir. Comment vous allez les sentir dès lors qu'on voit le président? Il est presque partout, le président de la République. Il est dans tout le voyage. C'est pour vous montrer que... Pour vous montrer que la diplomatie congolaise a été complètement détruite et qu'il est important que le président de la République, comme je dis, qui a la vision nationale, qui a la vision générale de la diplomatie, soit accompagné de son vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal que les deux soient ensemble. Ce n'est pas pour autant dire que le fait que le président de la République est ça et là, il fait des voyages, ça et là, que son ministre des Affaires étrangères est coincé ou il est dans l'ombre. Je ne pense pas. Il y a une politique de travail qui est développée et cette politique de travail a coûté sûr profitera à la nation congolaise. Voilà, il y a cette histoire des passeports. On a annoncé avec pompe que les passeports devraient certainement baisser les prix, mais jusque-là, donc lorsque vous êtes au niveau des affaires étrangères pour avoir un passeport, vous payez au-delà. Non. Les prix officiels, c'est 99 dollars. 99 dollars. Moi, j'ai acheté mon passeport à 99 dollars. J'ai mon passeport que j'ai eu cette année. 99 dollars. J'ai mon passeport
que j'ai eu cette année acheté à 99 dollars. 99. J'ai mon passeport. J'ai mon passeport que j'ai cette année avec le ministre des Affaires étrangères, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas les frais de l'année, il n'y a pas les frais de ceci. Le problème, c'est quoi? Ce sont les gens eux-mêmes qui sont en train de se faire arnaquer par leurs relations. Il peut trouver quelqu'un qui dit, non, moi, je suis aux Affaires étrangères, je peux te faciliter d'avoir le passeport. Mais il y a ceux qui achètent voilà. À 170 dollars, d'autres, voire même 200 dollars. Pour vous dire quoi? Que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les prix qui est fixé. Les prix qui est fixé, c'est 99 dollars. Moi, je peux venir parce que je voudrais que mon passeport soit livré dans un délai X. J'active telle relation. Eh bien, c'est pas mauvais que cette personne puisse vous demander une contrepartie. Donc, je ne vois pas à quel niveau le vice-premier ministre Christophe Lutundu serait déclaré responsable. Dès lors qu'on vous dit de suivre la procédure autorisée, vous voulez utiliser des raccourcis. Et qu'est-ce qu'il compte faire pour relancer la diplomatie? Bien. Je pense, vous avez suivi avec moi, il a dit que la diplomatie congolaise, avec sa vision, celle que le président de la République a donnée, va reposer sur un certain nombre d'éléments. Il veut faire de la diplomatie congolaise un élément de développement, c'est-à-dire utiliser la diplomatie congolaise pour essayer de voir dans quelle mesure on peut utiliser nos minéraux, voir comment on peut les exploiter, comment on peut les vendre à des pays ou aux partenaires qui peuvent nous être utiles. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, voudrait faire de la diplomatie congolaise une diplomatie de leadership. Ça veut dire quoi? Il voudrait qu'avec les efforts du président de la République, les efforts du Premier ministre et ses efforts propres, que la République démocratique du Congo, la diplomatie de notre pays, puisse participer au leadership africain, pourquoi pas mondial. C'est-à-dire, essayons de voir comment on peut donner des propositions, comment on peut, par ses actions, et parvenir à résoudre des questions d'ordre mondial. Et à part ça, il voudrait qu'avec la diplomatie congolaise, qu'on puisse s'ouvrir sur les plans internationaux, qu'on puisse renforcer des relations avec d'autres pays pour permettre à ce que la RDC puisse revivre son image qu'elle a perdue il y a beaucoup de décennies. Merci beaucoup, M. Joseph Nkoy. Surtout de votre passage tout à l'heure. On va parler un peu de la politique, cette affaire-là, mais parler aussi de la CENI avec un habitué de ce plateau, Rodrigue Ramazani. Joseph Kabila est dans un état d'esprit très serein. Donc, les gens parfois qui nous prêtent des intentions ou qui parfois disent, mais Joseph Kabila, il a l'hantise de revenir au pouvoir, que Tshisekedi échoue. Non, bien au contraire. La réussite de Félix Tshisekedi ferait du bien à Joseph Kabila parce que ce sera la continuation de ce que lui, il a fait. Là où il a moins bien fait, si Félix Tshisekedi rajoute, améliore, c'est les Congos qui gagnent.